Je m'appelle Anthony Leroy, j'ai 20 ans, je suis né en 2000 et j'étais en 5e année, la 5e année d'Out of the Box, j'étais là. J'étais en décrochage scolaire. À un moment donné, j'ai été hospitalisé, ce qui a fait que j'ai complètement arrêté les cours. Et puis ça a pris du temps et je me suis relancé grâce à Out of the Box, qui m'a aidé à reprendre un système de vie normal, me lever le matin et me coucher le soir. J'avais mon caractère qui était assez difficile au début, les éducateurs pourront le confirmer. Enfin, j'avais pas la discussion facile, moi j'étais plus, je m'énervais et puis c'était tout. Et puis avec le temps, ben, les éducateurs ont fait que, déjà ils sont bien entendus avec moi, ce qui a fait que moi j'étais plus docile, on va dire. Puis petit à petit, j'ai commencé à mieux me comporter. Puis ils m'ont aidé même à savoir discuter avec des personnes qui n'ont pas mon âge et qui sont pas forcément de ma catégorie. Je vais bientôt me lancer dans une formation de sécurité, mais avec le corona, Covid, tout ça, c'était un peu compliqué de se lancer. Puis après, moi, je suis tombé malade il n'y a pas si longtemps, donc confinement pendant un mois et demi sans bouger. Au moment où je devais me lancer dans ma formation, mais là, je ne vais pas tarder à y mettre. Des gants de boxe. On a comme option de boxe. À la base, j'étais quelqu'un qui avait fait beaucoup d'arts martiaux, mais pas vraiment des sports de combat. Et quand je me suis mis à la boxe ici, ça m'a fait voir la vie d'une autre manière, on va dire. Depuis que j'ai commencé la boxe, sérieusement, je me sens mieux. Avant ça, j'avais jamais eu l'idée de me lancer dans la boxe. Enfin, si, vite fait, mais j'avais jamais passé le pas. Et quand je suis arrivé ici, bah, j'ai appris ce que c'était la boxe et ça m'a beaucoup aidé. Quand on avait Joe, c'était un peu plus soft. Quand on avait Patrick, c'était hardcore. Mais franchement, c'était incroyable. Ça m'a permis de découvrir des choses que j'aurais jamais cru découvrir un jour. On a fait de la montgolfière quand on était parti faire une semaine à la Falaise. Et c'était assez intense. De base, moi, j'aime pas trop la hauteur. On a appris à surmonter nos peurs. Et franchement, c'était bien. On était très haut, ouais, je m'en souviens. On entendait les chiens aboyer alors qu'on était à 1,5 km. C'était incroyable. Se laisser aller. De profiter à fond de l'année, parce que ça passe vite.